Coucou YouTube et bienvenue pour cette rediff du Not So Berry. Évidemment, nous voilà, nous voici. On avait quitté... va te coucher. On avait quitté la maisonnée. Elle est partie se coucher parce que comme elle est vénère et qu'elle pue, ça va, elle va dormir, elle va se calmer. Voilà. Et il faudra qu'on aille relooker aussi la nuage. Pleurer à cause de la maison de poule. Qui c'est qui l'avait cassé cette maison? Je me souviens même plus. Faudra qu'on aille relooker Nuage parce qu'elle est venue. Elle est devenue enfant la dernière fois. Et donc, pour lui mettre des fringues un peu grises, bon, à mon avis, elle va vachement ressembler à sa sœur parce qu'il n'y a pas non plus 40 000 vêtements gris. Mais bon, au moins, ce sera fait. Le jour férié. De la jour de l'amour, c'était horrible. Oh, qu'est-ce que c'est dommage. Parce que tu crois que j'en avais quelque chose à faire du jour de l'amour quand j'avais 10 ans? Même à mon âge, j'en ai toujours rien à foutre. Voilà. Comme ça, c'est réglé. Bon, en tout cas, j'ai l'impression que ça va pleurnicher pas mal. Oh mon dieu. Non, tu vas réveiller personne. T'as compris, Claudette? C'est Minnie, hein, bien sûr. Elle s'appelle pas Claudette, en vrai. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui a quelque chose à manger dans ses poches? Pulcote, qu'est-ce que tu as quelque chose à manger dans tes poches? C'est Dex qui ronfle comme ça? My god. Ah, c'est vrai! On n'a même pas ouvert les géodes qu'on avait récupérées à Sixam. Lui aussi, il a faim. Bon. Alors, s'il a faim, on va aller chercher à manger. On va le monter à la monstresse. Hop! Petite Minnie, prends-en une partie. Voilà. Bon, puis de toute façon, elle a fini le truc comme ça. Au moins, elle va se calmer. Elle va manger et après, elle... Après, elle ira retourner ce Audi. Enfin, bref, elle dormira, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle chiale? La monstresse! Parce que bon, hein, on avait été voir, elle était pas douée par la, était pas gâtée par la nature, hein. Mais bon, à voir quand ça grandit. Bon, j'ai toujours la tristesse des yeux marrons, mais ça, c'est voilà. Je ne le dirai jamais assez. Qu'est-ce que tu fais? Non. Non. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, attention, toi, je te surveille. Hein. C'est vrai qu'elle avait elle s'était mise à galoper comme une ouf dingue. Déjà, t'arrêtes de hurler, tu finis ta bouffe. Eh, t'es sérieuse, toi? Je te suis, là. Je te surveille, on va dire. Eh, hop. Allez, va faire une sieste. Ah, attends. Tu vas pas faire une sieste. Non, non plus. Tac, tac, tac. Construire une tour. Vu qu'elle avait monté de ouf, ses skills en mouvement, c'était incroyable. Voilà, comme ça, elle est juste sale. Maintenant, tu peux aller au lit, pour de bon. Regardez la petite tour, c'est trop choupi. Alors, commence pas à t'éteindre parce que toi, tu vas me gaver le chat, là. Mais ouais, il veut pas. D'ailleurs, demain, c'est à Saint-Valentin. Ouais, il paraît. Bah, je m'en fous tout autant. Enfin, quand les YouTube regardera, ça aurait été la veille. Mais bon, ça revient même. Hein. Ah, dis donc, la douche, elle est dégueu. En tout cas, ce qui est triste, c'est que la Saint-Valentin, ça reste quand même... C'est hyper commercial, ça, bien sûr, on le connaît, tout ça. Mais que pour certaines personnes, c'est réellement la seule chose, la seule sortie de l'année, en fait. Et ça, ça me... Tu te dis, c'est triste, quand même.
Je me suis dit pourquoi il se contorsionne, le pauvre. Alors, petite nuage, il est 6h du matin, on est samedi, t'as le temps, cocotte, quand même. Ah, samedi, ça veut dire qu'ils vont pas aller à l'école et tout, donc on va devoir se les taper toute la journée. Oh, ça veut dire aussi que la femme de ménage ne passera pas avant le lundi. Regardez, il y a déjà 10 millions d'assiettes dégueulasses. Tiens, regardez la télé, tiens. Il n'y a rien de mieux que quand on est gamin de se prendre son petit déj en regardant la téloche. Allez, cocotte, viens. Mais bon, bah elle fait la vaisselle, Perle. Et Perle a grandi quand? Oh non, Perle, on a le temps, on a 7 jours encore. J'ai trop hâte de les voir ados en fait, pour savoir laquelle est la plus belle. Mais bon, avant ça, il va falloir finir avec Pulco et réussir toutes, absolument toutes les conditions de sa génération. Non, j'ai dû louper un épisode. Ah mince! Parce que du coup, ouais, bah, ça a fait avec Perle en fait. Bah, de toute façon, on le savait déjà que il y a certaines couleurs. Tu vois, même la génération d'après qui est la prune, d'après ce que j'ai retenu. Bah, les enfants, ils auront pas les cheveux violets parce que y a pas. Ce sera seulement à partir de l'adolescence. Donc, je sais pas du tout quelle couleur on va mettre. Je mettrai peut-être noir encore, quoi. On verra bien. Hein. C'est comme ça. La semaine dernière, j'étais en réunion parents-prof, j'ai pas vu. Ah oui, c'est vrai, t'es vrai, t'étais en réunion parents-prof, ça s'est bien passé d'ailleurs? Je comprends mieux, pas de soucis. Mais il y aura pas mal de couleurs où on sera emmerdé parce qu'elles n'existent pas en bambin et enfant, donc. Et salut Misuki! Merci pour le follow, bienvenue à toi. Non, ce soir c'est du vite fait. Taboulé, poivron, tomate, acheter tout fait. Et cuisse de poulet grillé. Quand même, ça donne envie. Bon, après, c'est froid, donc tu vois, c'est un peu moins gourmand. Ah, c'est vrai qu'il y a encore la radio! Avec les Sims. Oh, ça va, franchement, la dernière fois, vous disiez que vous entendiez rien. Sur la rediff, moi, j'entendais bien, quand même. Du coup, je parle pas, ça, vous l'entendez mieux. Oh mon Pulco, qu'est-ce qu'il est beau! Rejoins, va jouer avec ta soeur. Elle a mangé, tout ça. Nathalie, jolie. Bah viens manger, Nat. Tu vas faire à bouffer, tiens. Servir le petit-déj, des pancakes. Allez, fais-toi plaisir. Pou, tout, tout, tout. Après, il ira se laver, Pulcote. Et j'ai encore le truc qui s'éteint. Je vous jure. C'est Ah, peut-être que comme ça pourrait marcher. Tu les trouves où les règles du challenge? Bien sûr, le forum officiel des Sims. D'ailleurs, je les ai pas prises. Je vais te les donner tout de suite. Tac, tac, tac. Non. Alors, c'est parce que j'en ai 15 000 des raccourcis, des favoris. Donc, faut bien que je trouve le bon, sinon ce serait dommage. Alors, les règles du challenge sont bien ici. Tac, je reprends mes Sims. Je me trompe de truc, on va pas le faire. Tourte charcutière maison. Oh la vache, c'est quoi ça, tourte charcutière maison? J'ai horreur des réunions d'école. Bien coloré, pas trop pour mon équilibrage, mais monsieur me demande depuis longtemps. Les tourtes, c'est quand tu as la pâte qui recouvre aussi le dessus, c'est ça, non? C'est pas ça les tourtes? Je sais pas, j'y connais pas, je suis pas une pro des tourtes. Hein. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah mais finalement ça danse, d'accord. Ils ont pas voulu, ils s'enjaillent à fond. Hein. Bah dis donc, bah tu vas te faire, Pulcote, Pulcote, éducation, discipliner le comportement récent, calme. Demandez de pas être méchante. En plus, elle était méchante, cette saleté. Elle est méchante derrière sa sœur. Ils ont une drôle manière de danser. On a l'impression qu'ils sont en train de voguer sur les flots. C'était là comme ça. On aurait dit qu'il y avait de la houle. Bon, va te laver, Pulcote. T'as même pas bien mangé et tout. Allez, arrête. Voilà. Une compétence danse, t'as raison. Ouh, j'ai un petit loulou qui se balade. J'espère qu'il va pas demander à manger parce que. Conversation aggravante.
Alors, mais c'est elle? C'est elle qui crie dessus! Mais c'est quoi ces gosses? Tu vas t'excuser? Et tu vas t'excuser? Bah, en fait, d'accord. Vous vous souvenez de Bordeaux et Coquelicot? J'ai l'impression qu'on va devoir se les faire se battre aussi, les deux là. Elles s'entendent pas du tout. Mais what? Mais tu t'excuses? Ouais, pardon, je clique pas sur la bonne. Mais tu arrêtes, toi! Mais sérieux, mais c'est quoi ces thugs là? L'air monte, c'est fini, hein, injurié. Mais what? Mais quoi? Mais va te calmer! Mais va te calmer, toi! Ça y est, il y a déjà quelqu'un sous la douche. Tu vas te calmer! Tu vas faire caca en colère et tu vas prendre une douche froide. Non, mais tu vas te... Oh! C'est quoi ces gamines? Mais j'ai honte! Pulco, t'as vu ce que t'as enfanté des démons? Après, t'iras prendre ta douche aussi, toi. Ok, toi, tu vas ranger. Non, mais what? Et elle, tu vas te lever? Ouais, colère aussi, celle-ci. Tu vas aller sur le pot, et quand t'as fini le pot, maman, elle viendra te laver les fesses. Salut, Enoch Cortez! Merci pour le follow et bienvenue à toi! Alors. Nini. Attends, à cure, peut-être faudrait que je tente un jour. Je suis à la bourre sur le chat, j'avais le oui, c'est ça de Céline avant que Shirley pose la question. Ah! Pâte feuilletée, un jambon, deux salamis, trois tomates, un... Oh, punaise! Ah, oh, ça me fait rêver, j'en veux. Attends, je vais faire des courses demain, je vais me noter les trucs. En vrai, attendez. Je vais me noter les ingrédients et je vais essayer de faire ça. Bon, moi, je suis pas non plus une cordon bleu, hein, donc. Alors, qu'est-ce qu'ils font, eux deux, là? Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se faire rien. Non, ils vont juste discuter. Il a vraiment trop la classe, Pulcote. Hein. Bon, Pulco, on va pas perdre de temps. Tu vas aller t'occuper. Alors, il y a plein de trucs à faire encore pour lui. Je dois faire avoir la compétence niveau 8 de la fitness. Il a toujours pas fini son bricolage. Alors, fitness, bricolage, on a fusé au gel. Et puis, la logique. Et puis, la logique. Donc, on va travailler là-dessus. Il est 11h du mat. Tu vas réfléchir à une stratégie, puis jouer. On va commencer par la logique. Après, il fera un peu de fitness. Toi! Elle est magnifique avec sa petite truc. Tu vas faire tes devoirs? Allez, tu vas faire tes devoirs. Toi! Voilà. Maman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est partie où? Mais, donne un bain à la petite là. Elle est prête, ça y est. L'esprit de Prichin est train de. Tant mieux. Toi, tu as fait tes devoirs ou pas? Bah, tu vas les faire. Voilà, allez hop. Samedi égale devoir. Pulcote, lui, il fait ses devoirs aussi. Voilà, il est content. Il faut vraiment qu'on avance parce que on s'est trop reposé sur nos acquis. Ça ne va plus du tout. Ils mangent chacun sa gamelle. Oui, ils tentent de piquer celle d'autre. Tyrion pique, oui. Oui, si je le vois pas, il le fait. Hein. Même devant mon nez. Même si je viens de lui dire non, il tente quand même. Il tend la patte comme ça. Puis il fait. Saleté. Hier, c'était soufflé au fromage au boulot. Ma collègue qui fait la cuisine, c'est trop drôle. Il y a veille pizza, mozza, chèvre. Ah non, alors là, tu mets jamais d'ananas sur une pizza. Mais c'est le bûcher, là. T'as des collègues bien sympas. Salut Céline, comment tu vas? Ça va bien pour ma part. Les loulous, ils vont bien. Je vais juste leur donner à manger. Enfin, à Dex, surtout. Oh, on voit ses cheveux! Le petit papillon! Regardez la papillonne! Qu'est-ce qu'elle est pépette! Eh ouais. Qu'est-ce que tu fous là, d'ailleurs, toi? Elle est contente. Des vêtements? Pourquoi faire? Ah non, t'enlèves rien du tout! Tu vas, qu'est-ce que c'est babillé? Qu'est-ce que c'est babillé? Je m'en fous, mais tu... Il faut que quelqu'un remette la... Tiens, tu vas refaire la... Qu'est-ce qu'elle fait? Danse. Mais arrêtez! D'être obsédée par cette chaîne stéréo, là. Je sais, c'est super, c'est la musique des Sims, c'est la meilleure musique, mais quand même. Et elles sont pas en train de s'insulter, j'espère. Elles sont pas super copines quand même, hein. On est sur un... Il y a un problème avec les gosses, quoi, dans cette génération encore.
C'était la génération de Bordeaux, hein, les grands-pères, grand-père et grande-tante. Père l'a fini. Super. Qu'est-ce que tu pourrais faire, toi? Manger. Doulou. Ah, ça fait plaisir aussi, Céline. J'espère que tout va bien. Est-ce que ton loulou, il va bien? J'en ai marre, ça éteint mon chat à chaque fois. Les chats gourmands. Je préfère l'ananas à la pizza que une telle. Aucun des deux. Tu me feras jamais manger un truc sucré-salé. Hein. T'as fait ce que je t'ai demandé, toi? Ouais, non, tu vas pas boire de verre d'eau, moi je te le dis. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas aller courir. J'aime bien, je les envoie courir à chaque fois qu'ils me cassent les pieds. Ah, oh, bah tiens, elle joue avec son père! C'est rigolo, ça. Je lui ai mis quoi comme aspirateur? Ouais, non, artiste. Ah oui, j'ai fait réparer la maison. Ouais, cool. Tu vas pouvoir jouer. Et toi aussi, elle est où? Elle va y danser. Ah, tiens, tiens. Une relique des parents. Elle est devenue vieille, Gwen. Hein, elle est devenue vieille. Ouais, bah, on s'en fout. Sinon, les filles, elles vont pouvoir aller jouer à la poupée. Pourquoi pas? Bon, elle, je vais la laisser s'entraîner aussi aux échecs. Ça lui montre un petit peu du plomb dans la tête à cette gosse. J'ai pas Twitter, j'ai... Ah oui, mais j'ai pas tweeté non plus! Ah si, j'ai tweeté, c'est bon, je sais plus ce que je fais. Non, je l'ai préparé, je l'ai pas fait. Je suis nulle. Voilà, le tweet est envoyé. Je suis trop nulle, je sais pas me vendre, c'est nul. Je suis trop nulle. Mais non, joue! Tu joues aux échecs, tu crois quoi là que je vais te... Non? C'est notre but, c'est de te faire monter. Ah, bientôt le niveau 9, yes. Là, je dois aller au niveau 10, donc de toute façon... Ah, repas équilibré. Ça va pas bouffer de la terre, non? Un peu de chuchote, un peu. Allez, passe au niveau 9, après tu iras faire du sport. Sans compter qu'il y a aussi le bricolage. Mais le bricolage, comme il répare des trucs et tout. Je crois qu'on va avoir le temps, peut-être, aujourd'hui. Hein. Ah, mince, je croyais que c'était lui. Mais ce n'est pas encore lui. Il est très concentré, le pulcote. Et passent leur temps à danser. Niveau 9. Allez, hop, entraînement. C'est parti pour du sport. Intensif. Les biscottos. Les tablettes de choco. Sur un beau mec comme toi. Comme il est maladroit, il va sûrement se casser la gueule. Hein, je préfère vous le dire. Ne soyez pas étonnés. On est qu'au niveau 6. Hein. Pouh, il y a encore du taf. Hein. Eh bon, il va devenir très très musclore. Vous savez, il arrive à manger ses nouvelles croquettes. Il faut que j'attende encore 2 semaines pour la fin de prise de sang. Ouais, bah j'espère aussi que tout va bien se passer. Hein. Semaine dernière, c'était très dur pour avec beaucoup de pleurs, mais maintenant ça a beaucoup. Mais je croise les doigts pour que dans 2 semaines ce soit bon. Ah oh, ouais, ma béchette. Miam miam de la terre. T'as déjà goûté, Switson? T'as déjà goûté de la terre? Ce regard! Vous avez vu cette concentration quand il court? On dirait qu'il veut tuer quelqu'un. Attendez, là, comme ça, c'est exactement ça. Regardez ce regard qu'il a. Voilà, il se casse la gueule, mais... La concentration. Hé, Jean-Claude, tu me fais quoi là? Tu refais. J'avais vu le truc qui bougeait, mais j'ai l'impression qu'il a remaigri de ouf. Mais tais-toi, on s'en fout. Non, la petite là. Oh la vache. Mais ouais, mais elle a faim. La mère, elle lui donne à boire. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Elle a faim, elle a pas soif. Tiens, mange. Mange dans la gamelle. Par terre. La mère, là. Allez, Nathalie, tu vas servir le dîner.
Non, pas des tacos au poisson. Tu vas me faire des spaghettis, là. J'ai vu que tu pouvais faire des spaghettis. Voilà, des spaghettis, c'est bien. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Tu vas sympathiser avec ta sœur quand même, non? Vous êtes pas été des sœurs ennemies? Faire croire que nous vivons tous dans une simulation. C'est exactement ça. Parler du tour nuageux. Et puis tu vas faire connaissance. Et elle court. On va remettre les pancakes au frigo, hein, parce que quand même. Comment va notre pulcote? Il court. Regardez ce petit cul. Tchou 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 tchou. Ah, beau gosse. Et boum! Ça aussi c'était beau. Salut Naël, comment tu vas? Non, t'as jamais mangé, sweet? Oh, c'est dommage. Moi je suis pété genou ski vendredi et bam, 6 semaines d'immunisation, alors j'attends avec patience. Oh! Notre spécialiste des Céline. On va dire ça. Ouais, en plus, en ce moment, je fais genre 3 vidéos par semaine et je me dis. Il y a du laxisme quand même. J'ai le Decade, plus le Lord and Lady. Déjà, c'est déjà bien. J'ai sorti le Lord and Lady, j'ai fini par le sortir. Et le Notoberry. Et là, je suis. Punaise, avant, je faisais quand même plein de trucs. Il y a longtemps que j'ai pas fait de speed build. Bah, je construis. J'ai toujours l'opéra qui est en cours, hein, mais. Je fais pas de speed et tout. J'ai pas d'autres vidéos, quoi. Faudrait que je m'y mette un petit peu, hein, quand même. Parce que là, ça craint. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va jouer. Qu'est-ce que... Mais c'est quoi ces gamines? Mais c'est quoi leur trait de caractère? Elle est active. De toute façon, oui, elle est active et crasseuse. Il y a aucune des deux qui est méchante. J'en peux plus. Tu vas la... Je sais pas laquelle, mais tu vas leur donner... Tu vas dire apprendre à dire pardon. Allez, tu lui apprends la vie à ta gosse là. Et Perle, c'est une sale thug, hein. Moi, cette tête. Elle est vénère. Elles sont graves, hein. Toi, après, t'iras te doucher et t'iras pisser aussi, hein. Bah, de où t'as fini tout? T'as rien fini du tout, Pulcote. Non, mais dis. Allez, nettoyer. Nettoyer, non. Tu vas prendre une douche alors. Non, non plus. Ah, oh, je vais y arriver. Prends une douche. Comment il a... Oh, il a un petit cul. Et elle s'est mise à poil. Tu quoi? Va te coucher. Tu me saoules, tu vas te coucher. Après, tu iras au pipi. Pulco, je suis pas contente. Tu vas me prendre des spaghettis. Ah, de la musique! Des Sims pour changer. Non mais, c'est cool. Alors, bricolage. Fitness, on n'a pas vraiment avancé, hein. Mais Sophie, on s'en fout de ta vie. Et elle? J'en ai marre. Ils sont complètement flingués. Tiens, tu vas essuyer. Pulcote, tu viendras après manger, tu pourras réparer le lave-vaisselle. Parce que t'es aussi là pour ça, hein. Oh, la musique des Sims en accéléré, c'est immonde. Ça va très bien à elle, merci. Ça veut dire, mon courage, c'est bloqué, faut garder moral. Et le château qui n'est toujours... Ouais, c'est vrai, le château, laisse tomber. C'est vrai que le château, j'ai toujours pas fait. Je crains un max. Hop, on va mettre ça. Voilà, il a réparé. Mais en fait, il répare tellement vite que ça fait même plus travailler son bricolage. Alors, la table de bricolage, je l'ai mis ici. Tu vas fabriquer un meuble, une étagère. Allez. Parle pas à ta meuf, on s'en fout. On a d'autres choses à faire. Faut que tu augmentes tes skills. Toi, tu vas pas jouer à la poupée, cocotte, hein. Tu vas aller dormir.
Dormir dans un lit, tu vois, hein, pas sur le canapé. Tu verras, c'est pas mal aussi. Oh bah elle est partie se coucher tranquille, quoi. J'adore. Allez, on va éteindre la musique pour l'instant, parce que c'est la nuit. Lui, il faut atteindre au moins le niveau 9, hein. Sinon, c'est pas drôle. Il a pris toute la beauté de son père, Pulco. Ah, mais de ouf! De ouf, Pulco, c'est le portrait craché de son père. Mais avec des yeux marrons. Donc, c'est moins bien. Alors! L'objet a été placé dans son inventaire. Et eh ben c'est très bien. Tu vas pouvoir être pieuté maintenant. Hein, comme tout le monde. Voilà. Au dodo. Au dodo le pulco. Et tout le monde est calme. Et tout le monde dort. Et lui, il a maigri de ouf. Je suis choquée. I'm shocked. C'est quand tu veux, je t'attends. L'opéra, on est d'accord que c'est pas fini ou j'ai loupé. Non, non, il est pas fini, Angel. T'inquiète. Mais je vais vous montrer après le live. Ça, vous pourrez voir où j'en suis. J'ai pas fini, mais j'ai avancé quelques petites choses. J'ai pas fini du tout. Peut-être que je ferai un live demain sur l'opéra, hein, qui sait? Vive les exhibitionnistes chez toi. C'est les gamins, quand ils sont dynamiques, les bambins, bah, ils aiment bien se foutre à poil. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Cool, ben oui! Parce que j'ai pas trop avancé. Oh là là, elle pue! Mais c'est vrai que j'aime bien quand même vous le montrer parce que j'ai quand même commencé avec vous. Attends. Ah non, je me trompe! C'est elle qui pue! Mais il est même pas 6h du matin! Elle va nettoyer. Ah ouais, elle s'est levée, elle s'est dit: il faut absolument que je nettoie la douche! Et voilà. C'est ce qu'elle fait. C'est l'été! Dans le Nord, Saint-Berry! Ça va être le temps des petits shorts moulants! Allez, tu vas y bouffer. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais va te laver, hein, si tu pues. Tu mangeras ton bout de gâteau après, hein. Là, ces gamins, faut tout leur dire. Après, tire aux toilettes aussi. Quoi? Qu'est-ce qui pue? C'est le barbu? Qui c'est qui pue? C'est le barbu! À toute Céline Bonap. La maison dégueulasse. Mais ouais, mais bon, il y a la femme de ménage qui va venir. Il faut bien qu'elle ait quelque chose à faire. Mais pourquoi vous dites que ça pue? Ah, c'est ça. Ce que j'allais dire, ça, c'est dans une autre pièce. Donc logiquement, c'est pas censé les importuner. Et Pulco, bah Pulcote, il dort. Bon, 7h du matin. Tu vas pouvoir te prendre une douche et faire. Voilà. C'est pour juste qu'il se réveille, la douche. Je sais, il est pas très sale. Eh ben, la monstre, elle est réveillée. Elle va aller regarder sa mère. Maman, je te regarde. Est-ce que tu es belle, maman? Maman, tu es belle. Oh, tout est belle, là. Tout est belle, là. Tu sais ce que tu vas faire plutôt? Tu vas jouer avec émotion avec ton papillon, là. Voilà. Au pied des escaliers, c'est tellement pratique, hein? Qu'est-ce que c'est, ça? Piste de danse en carton. Toi, pareil, tu vas être lavé un coup, non? Parce que... Oh là là, madame! Oh là là, c'est sale! Oh là là, Pulco! Qu'est-ce que les bajailles? Regardez-moi ça, je sais plus dans quel sens. Regardez comment il est slim! Oh, il a fait trop. Courbaturé. Ok. Donc, tu sais ce que tu vas faire à la place? Tu vas... Qu'est-ce que je pourrais lui faire faire à la place bah, la logique. Tu vas jouer... Non, tu vas avant faire... Et elle a fait des pompes. Mais de où? De où tu fais des pompes, toi? T'as pas intérêt à être une grosse quand tu grandis, hein, je te le dis. Hein. Allez, tu vas te laver et aller aux toilettes. Ça t'occupera. Comme ça, tu traîneras pas en pyjama toute la journée. Et est-ce qu'elle devient 2 jours? Ah, peut-être pas, je ne sais pas. Voilà, schniffa. Ouais, non, ça va, il y a des trucs pour la femme de ménage, c'est très bien. On voit à quel point les Sims sont crado, parce qu'ils ne, de même, ils ne feront rien. Ah non. Si, il y a une douche cassée. Oh, Pulco, tu vas pouvoir la réparer, c'est cool.
Ça va te faire travailler un petit peu encore. Tyrion! Voilà, il est en train de voler. Je vous l'ai dit. Nathalie est en colère. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, elle est pas en colère. Elle est juste tendue parce qu'elle a dû nettoyer quelque chose. Tyrion, tu me casses les pieds, hein, je te le dis. Hein? Saleté! Il veut pas que je l'attrape. C'est bizarre, hein? Tiens, va courir, toi. Allez. Ça évitera que Pulcote perde du temps à te parler. Nous, on est à fond sur Pulcote. Pulcote! Il des potes. Et toi? Toi, tu vas avoir besoin d'un bain bientôt. Si tu veux faire le tour de la baraque et te demander ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On peut pas faire ça. Qu'est-ce que c'est? Super. Qu'est-ce que c'est? Non, jouer. Qu'est-ce que c'est, les couteaux? Qu'est-ce que c'est? Voilà. Je pense que là, elle a pas mal de trucs. Ça, tu peux pas. Elle est déjà revenue, elle? T'as pas été courir très loin, hein? Oh putain. C'est sérieuse, toi, t'es. Parle avec ta fille, là. Partage avec théorie du complot si tu veux et tu vas l'éduquer un peu. Apprends à dire pardon parce que je suis pas sûre que tu l'aies bien enseigné, hein. Saleté. Allez, Pulcote, tu avances ou c'est moi qui t'avance là? J'ai l'impression qu'il avance plus là. En même temps, il avançait parce qu'on était près du niveau à finir. Sauf que là, on a. Il y a quelqu'un qui a frappé. Mais. Stéphane Lewis. Pourquoi il y a des gens qui viennent frapper chez moi? Tout le temps, dans n'importe quelle partie. Oh. Bon, il est pas dégueu. Enfin, ouais, il a un peu la bouche et le menton en avant. Mais il y a une bonne base. Je trouve que ça, c'est un visage particulier. Ça va, il y a pire. Il y a grave pire. Ça, c'est clair. Hein? On va dire, ça, c'est clair. On va pas répondre, on les connaît pas. Il se laisse regarder. Ah, il te plaît, hein? Tu veux que je te le partage? Faut assumer. Azarab. T'avances, Pulcote. Logique. On est quand même... Oh, on est quand même au niveau 9, maintenant. Ah oui, je sais. Punaise, je suis con. Bon, on va essayer de finir le niveau 9, ou pas? Qu'est-ce qu'elle a, elle, encore? Ah, punaise. T'as fait ton tour. Je pense que c'était qu'elle allait lui demander le bain, mais... Donner un bain de mousse à Mini. Allez hop. C'est bon. Comment il a maigri, Pulco? Mais même là, je le vois sur son petit truc. Il se laisse regarder. Tu le veux vraiment que je partage? Faudra que je retrouve dans toute la lignée là. En plus, c'est peut-être des. Ah non, en plus, le nom de famille étant Lewis, je pense vraiment que c'est une famille que quelqu'un m'a fait. Et que c'est des descendants, en fait. Un descendant des familles que vous m'aviez fait. Sachant qu'il faudrait que j'en rajoute quelques-unes de temps en temps. Parce que vous pouvez toujours en créer des familles, hein. J'en rajouterai toujours. Hein, sur le même hashtag, NotSoShirley. Comme au début du challenge. Qu'est-ce que tu peux faire, toi? Tu peux faire des devoirs en plus ou pas? Allez! Bah, tu travailles. Allez. Niveau 9, que compétence éducation. Oh, Bibiche avec son petit coin-coin. Allez, vas-y, tu vas jouer avec ton coin-coin. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait rien. Tu vas faire tes devoirs aussi? Ah, tu peux pas. Jouer avec émotion. Voilà, hein, toujours. Voilà, un petit peu dans l'excès. Étendue. Oh mon dieu, oh là là. De quoi parle-t-il? Ça va, Pulcote? Tu te lasses pas, là, les échecs, t'es à fond, là. Manœuvre de maître. Ah ouais, rien que ça. Bon, il a légèrement la dalle. Légèrement.
Ah bah j'ai une famille que je peux te partager. Eh bah vas-y, hashtag not so Shirley. Comme not so Berry, mais à la place de Berry, tu mets Shirley. Et puis, faudrait que j'y pense pour en ajouter quelques-uns. Je l'avais fait il y a quelques semaines, donc je pense que ce qui... Voilà, faudrait que j'en rajoute, quoi. Ah, mais elles discutent. Tant que vous vous insultez pas, ça passe, hein. Concentration pulcote. Et elle, là, elle fait... Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Hein? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Ah! Qu'est-ce que tu pourrais faire? Vas-y, tu vas courir. Non, tu vas faire ça. Vas-y. Oh, comme ça, elle sera BG comme son mari. Même s'ils sont pas mariés. Faudrait que je les marie, d'ailleurs. Un de ces quatre. Ça pourrait être sympa. Travail supplémentaire terminé. Super. Est-ce que vous pouvez discuter, mais genre gentiment entre sœurs, quoi? Parler des jouets. Et pas vous insulter et tout. Mais de ouf, là. Pourquoi ils s'entendent aussi mal? C'est un truc de... Putain. Pardon. Parler de son animal préféré. Mais c'est incroyable. Discuter des centres d'intérêt. J'ai jamais eu des gamins qui s'entendaient aussi mal. Mon pulcote. Non, c'était pas moi. C'est pas moi qui dis que t'as eu le niveau... Ben là, on est en passe de maîtriser la logique. Donc ça veut dire aspiration terminée. Ce serait cool. C'est long. Mais ce serait cool. Mais c'est long. De toute façon, il travaille pas... Ah si, il travaille le lundi. Donc c'est... Si, si, Bordeaux... Oui, mais je veux dire, d'habitude, dans mes challenges ou dans mes parties, ils s'entendent tous bien. Mais toi, t'as déjà fini ce que je t'ai demandé de faire, connasse? T'es sérieuse? Allez. Va pousser de la fonte. Non, mais c'est bon, on laisse ça. La femme de ménage qui passe dans quelques heures. On va pas commencer à se prendre la tête. Hein. Toi, tu peux faire ça. Ça la dérange que ce soit sale. Mais c'est vrai que Nuage étant crasseuse, ça la dérange moins. Mais tu seras crasseuse aussi, Perle, hein, t'inquiète pas. Hein, vous serez au même tarif, toutes les trois. Hein. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Bon, elle est avec son coin-coin. Ça va, elle est sage. Ça change. Mon pulcote. Ça lui va tellement bien, ce look. Oh là là. C'est cool. Donc je voulais regarder. On est sur du 8,70. Hein, après 70%. C'est long. C'est qui parle là? J'entends un mec. Ah bah, il y avait encore un type qui venait sonner à la porte. Tom Moulton. Non mais c'est bon quoi. Arrêtez les gens. On va pas vous parler nous. Non mais tais-toi. On fait plus partie de la société secrète. Vous nous avez virés. Bon allez, va nettoyer la, réparer la douche. L'esprit de Bordeaux est en train de disparaître. De toute façon, j'ai pas posé les tombes. Elles sont dans son inventaire parce que si je mets les fantômes vont revenir toutes les nuits et j'en ai vraiment pas envie. Allez, va manger Bordax. Bordax, ouais, ça y est, je sais plus. Mon petit pulcote, va manger, fais-toi plaisir. Tu manges quoi? Tacos? Non, poulet grillé, pardon. Yep. Elle est en train de jouer. Non, te nettoie pas, toi. La meuf qui va laisser tout crado la baraque. Mais attendez, il y a une femme de ménage. Faut bien qu'elle ait quelque chose à faire. Sinon, c'est pas drôle. Attendez. Oh, oh. Ça t'arrête sur image et splendide. Oh, ça fait peur, par contre. Hein? On peut se le cacher. Je suis l'exorciste. Voilà, je suis contente. J'ai fait ma petite imprimation. Imprime écran. Le petit papillon descend. Qu'est-ce qu'il a, le papillon? Il a faim, le papillon.
Le papillon a faim, il a envie de manger. Grobo! Tu iras pisser après. Picote. Hop. Il y a le petit bruit des mouches et tout, c'est agréable. Après, toi, tu iras aussi faire ta life. Non, mais tu peux manger aussi ton gâteau. Ok. Tu poses ton assiette. Merci, Pulcote. Tu es parfait, Pulcote. Allez, et puis tu vas rejouer. 21h30. Il reste 25% à faire. Et l'aspiration sera torchée. Il reste même 22%. Je sais plus compter. Relis ça. Ma petite famille est partagée. Très bien, maman Gredry. Merci, j'irai voir. Oh, Bordeaux! C'est une soirée homme. Sexy. Mais fais pas le ménage, toi, connasse! Qu'est-ce que je t'ai dit? Va te coucher. Tu me saoules. Oh, les gamines, elles vont espiéter. Allez, hop, tout le monde au lit. Toi, je vais la laisser manger. Elle, qu'est-ce qu'elle a? Mais t'as pas bouffé, toi? Bouffe ça, espèce de... Oh putain, ils ont cassé le toilette aussi. Mais toi, mange! Mais je croyais que t'avais bouffé! Mais j'en peux plus de ces gosses. Pas le canapé. Elle a un problème. Elle sait pas où c'est un lit. Elle sait pas ce que c'est un lit. Elle sait pas qu'il faut dormir dans un lit la nuit. Bon, après, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Ils dorment où ils veulent. Ils veulent et où ils peuvent. Mais merde, nous, on a des lits, quoi. Alors? On a une maison, on a quatre chambres. Qu'est-ce qu'il vous faut? Je veux dire, Pepper et Bordeaux se sont acharnés pour avoir ce qu'il faut dans la maison, là. Même Pulcote, hein, il s'est donné à fond, hein. C'est gosse. Allez! Allez, 13%. T'iras pas te coucher. Tant que tu n'achèves pas la logique. Oh là là! J'ai perdu 1%. C'était à 92, 8%. 7%, 6%. Putain, casse-toi! Tu devais pas t'aller te coucher, toi! Va te coucher. Va te coucher. Ton mec, il arrivera après. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Oh, dis pas que c'est son monstre à la con, là. Va te coucher! Punaise! Non, mais Pulcote, non. Pulcote, non. Regardez, on est à 9,95. Il reste 5%. Tu vas me les faire. Je te le dis. C'est quoi ces affaires là? Il a cassé les WC. Ouais, non, mais il casse tout ici. Allez, 3%, 2%, 1%! Aspiration terminée! Ta 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 ta! Lorsqu'il est fâché, Pulcote peut maintenant se raisonner pour se calmer. Allez, bah c'est bien, tu vas pouvoir me réparer ça. Non mais c'est bon, vas-y, les échecs. Et voilà, on a fini une chose aujourd'hui. Niveau 9 du bricolage. Oui. Bon bah on avance, today. Today is the day, you know. Today is a great day because it is the day that we finished the aspiration for Pulco. Pulco, Pulco. Bravo Pulco. Oui, bravo Pulcote. C'est toi le meilleur. Et puis après, il va aller taffer. Quelle heure il taffe déjà? À 10h. Bon, ça va. C'est pas super tôt, quoi. Ah, ça fait du bien, quand même. Ça fait du bien et on a enfin terminé un truc. On a quand même encore du taf parce qu'il faut faire le travail, le bricolage et aller dans le machin à Oasis Springs. Dans la grotte là, Oasis Springs. Il me reste que ça en vrai. Hein. Il me reste que ça. Donc c'est pas mal. Alors tu vas faire ça et ça.
Douche méditative, oui, si tu veux. Toi, tu vas aller aux toilettes là et après tu iras manger. Hey, gamine. Toi, tu vas nous préparer le petit-déj, tu sais. Hein? C'est vrai, le petit-déjeuner. Des pancakes encore. Soyons fous. Pulcote. Pulcote, il fait un gros dodote. Même pas 7 heures, il est déjà reposé. C'est fantastique. Vais le laisser dormir un peu. Allez, douche, pipi. Et les cours de nuages et de perles commencent dans 1 heure. On est très bien. Ça se gère facilement tout ça. Mais ils sont où tes pancakes, connasse? Attends, attends, tu les as mis où? Mais t'as fait des fruits! Mais elle est conne ou elle est conne? Je lui demande de faire des pancakes, ça fait des fruits. Tiens, tu vas prendre une portion. Et la dernière monstre, ça va, elle a pas trop trop faim. Mais toi, par contre, tu pourras venir aussi, Pulcote. Des fruits fraîchement grillés avec 3 assiettes qui puent. Et toujours le tas de merde avec les avec les mouches. Hein, Pulcote? Il est à quel niveau dans sa carrière? Niveau 8. Niveau 8, on n'a pas évolué encore. Bah, on a fait qu'un seul ou 2 jours de travail, donc on n'a pas évolué. On n'était pas du tout au niveau fitness et on n'y est toujours pas. Donc, on fait ce qu'on peut. Là, il va manger. Et puis, s'il y a le temps, je vais l'envoyer à l'entraînement pour qu'il améliore encore son skills en fitness. Voilà, il commence dans 1 heure, donc ça va être un peu tendu. En fitness, il est à 6,30. Donc c'est nul. Tu vas te faire des amis, tu vas te faire des amis. Qui c'est qui l'appelle? Hop. C'est pas grave. Toi, tu touches à rien. Eh, il faudrait vraiment qu'on lui trouve un job, hein. Je pense que là, dans pas longtemps. Comme la petite dernière est encore bambin, mais après on pourra la faire travailler. Je suis en train d'y penser, je me dis. Oh putain, la baignoire, elle est dégueulasse. Tu vas pouvoir venir ici, puis tu feras un bain à la gamine. Pulcote, il fait son sport. Visite du directeur, on l'ignore. Toujours. J'ai l'impression que le sport, enfin le fitness, c'est un peu plus long. Hein. Bon, je vais le faire aller un peu en retard. Allez, hop, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Merci Pulco, dis donc, hein. Allez. Oh, punaise. Avec ce truc. Et Ranger de l'espace, pour vous servir. Allez, ramène de la thune. Ah, notre chère et tendre femme de ménage. 5 600 de facture. Ça va, tranquille la vie, toi? Tranquille la vie. Et la dernière, elle dort encore. On va la laisser roupiller. Arrête, pourquoi elle est... Voyez, comme ça, elle est contente, la femme de ménage. Elle a plein de trucs à faire. Non, elle est réveillée? Non, elle est pas réveillée. Oh, ce tapis! Qu'est-ce qu'il y a? Humiliation parentale sur internet, fait des recherches sur l'éducation. Mais t'es pas bien, toi. Hein. Oh, t'es pas fini. Hein. Bah, je vais mieux maintenant, j'ai chaud! Alors, qu'est-ce qu'on t'avait mis en tenue de chaleur? Hein, je m'en souviens pas. Ouh là là, elle a fait péter la petite combi dessous la nuit. Ouh là 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 là. C'est vrai que maintenant c'est l'été. Ben si on finit rapidement les objectifs de Pulcote, qui travaille dur, c'est bien, il va se promener dans l'univers aussi. On pourra aller à Soulani de temps en temps pour passer une petite journée. Tu vas rien laver du tout, t'es sérieuse toi connasse?
Putain. On a une putain de femme de ménage, tu me gaves. Et là, elle va dire, ah, je peux pas parce qu'elle est en train de pile la nettoyer. Et l'autre, elle gueule. Ok, ok, ok. Tu vas prendre dans tes bras. Voilà, tu peux lui faire un... Ça va aller, voilà, tu dis ça va aller. On va te laver les fesses, t'inquiète pas. Madame, on a besoin de la... Ah, merci, on a besoin de la baignoire. On a une gosse qui pue. Et Nuage a rencontré Elodie aussi, également. Vous allez réviser maintenant, les gosses. Et toi... Voilà, elle a fait 100 boules pour la femme de ménage. Tu vas travailler dur. Ça monte pas très 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 trop. Se faire des contacts, ça c'est pas mal. Aller dans l'univers, pas trop. Tu vas te faire des contacts. C'est positif les contacts. Après, il faudra absolument qu'il fasse du sport. Parce que sinon, on va jamais augmenter. Low skills. Oh, elle va jouer avec sa petite dernière. Mais c'est pas mignon, tout cette histoire quand même, hein. Alors. C'était juste pour savoir, vu que je suis arrivée un peu en retard, j'avais peur de louper une promotion. Ah non, pas du tout. La bonne justifie son salaire. Oui! Pour une fois, oui, bah il y a eu tout le week-end hein, qui a été cracra. Ils ont tout laissé en plan. Vrai dégueulasses. Je pense. Oh, la petite, elle a chaud. Je pense également que quand on aura. On sera avec l'une des filles en héritière. Et qu'elles seront forcément le très crasseux. Et on gardera une petite femme de ménage qui viendra tout simplement nettoyer. Tu vas venir là? Maman va faire à bouffer, faut bien qu'elle serve un peu. Servir le déjeuner. Haricots saucisses. Allez, ça va être la fête du prout. On est à fond. Pulcott, comment il va? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas travailler dur. Il a rencontré Axel. Bah voyons. Ah, voilà. Excellente la performance. Oui, 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 oui. Faut espérer avoir une promotion un jour. Tu vas te faire des amis. Tu vas te faire des amis. Un projet scolaire. Un projet scolaire. Tiens, tu vas aller faire pipi en attendant. Saleté. Un jour. Et peut-être qu'on la verra grandir. Peut-être qu'on ira jusque là. Comme à chaque fois qu'elles ont grandi, on a terminé l'épisode. Nuage. Avec ta belle petite tenue. Ouais, je suis habillée en soulani, wesh. Tu vas. Alors, on va procéder par étapes. Tu vas être lavée, parce que tu pues. Tu vas aller aux toilettes. Et puis, je pense qu'après, tu feras... Ah oui, bah oui. Bah oui, il va falloir... Il fait beau dans le jardin. Allez, hop, dans le jardin. Tu commenceras à travailler soigneusement, toi. Bah, tu vas le faire tout de suite, comme ça, c'est fait. Hop, soigneusement également. Et la gamine, là, tu vas manger du prout après? Tu vas manger du prout. Elle est déjà en train de faire des proutes, mais... Mademoiselle Nathalie, jolie, 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 tu plais à mon père, tu plais à ta mère. Tu vas aider... Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié le mur qui nous empêche de faire ce qu'on veut. Tu vas aider pour le projet. Pulcott, où est-ce qu'il en est? Toujours excellent. Travailler dur, ça change pas trop. Se faire des contacts, ça monte un peu. On va continuer comme ça. Salut Métatron, comment tu vas? Salut Saturne Carré. Comment vous allez bien? J'espère, en tout cas. Voilà. On est à full... Commencez pas encore à vous chamailler. Hein. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas... Et elles sont ingérables, les deux, là. Elles arrêtent pas, hein. Mais punaise, Nuage, t'es une thug ou quoi? Tu t'excuses. Vous excusez. L'une et l'autre. C'est incroyable. On va finir par les faire se battre, hein. Exactement comme Bordeaux et Coquelicot. Ça va être du grand n'importe quoi. Un gros fight club à trois. Après, toi, t'iras faire ça après quand t'auras fini. Toi, je suis désolée parce qu'on a qu'un seul adulte pour t'aider, Cocotte. Mais
Dès que Pulco, ouais, quoi que Pulco, on a pas mal de trucs à faire, donc je suis pas sûre qu'on puisse t'aider. Faudrait appeler quelqu'un. Alors, Pulco, t'es rentré, qui est mort? Qui est mort? Ah non, triche. Perle! Perle est en train de copier sur un autre élève. Bah oui, mais elle est rentrée à la maison là depuis. Tu lui fais repasser le contrôle? Attends. Alors, plutôt pas mal. Plutôt pas mal, cocotte, pulcotte, cocotte. Pulcotte, cocotte. On va ranger ça avant que ça pourrisse quand même, ce serait dommage. Pourquoi il y a la musique? Tu vas pas faire une douche normale. Tu vas faire une douche tonifiante parce que je vais te renvoyer au sport. Eh oui, il faut bosser. D'épée, ça se mange, je ne savais pas. C'est ça, tu vas manger des proutes. Ça a surtout du fumé, tu vois. Mais par contre, c'est pas très calorique, donc c'est bien. Attendez, donc c'est Perle qui a fini? Perle, tu vas pouvoir mettre ça dans ton inventaire et tu vas aux toilettes et tu vas manger. Et maman, tu vas venir t'occuper de ta deuxième fille, s'il te plaît. Mais quoi? C'est quoi ce harcèlement? Non! Laisse-moi tranquille! Punaise! Mon pulcote, tu te laves? Voilà, t'es énergisé, c'est super. Tu vas faire un entraînement énergisé. Niveau 2. La physiologie. Ah! Je vais dire pourquoi, mais c'est à cause de ça. Ok, très bien. Très bien. Pourquoi pas après tout? Ça, super. Ah! Bah, tant mieux. C'est toujours ce regard hyper concentré, puis de temps en temps il se casse la gueule. Pouf! Comme ça, tranquille. Ça fait un peu peur, hein. Vous imaginez, moi je vous regarde comme ça tout le temps. Sinon, ça va. Ouais, faut que je joue. Bon, tant. Oh! Oh la vache, ça fait mal. T'en es où? 6 et demi. Non, ah non, Tu t'en fous de ta gosse, je t'ai déjà dit. Tu vas essayer de tourner. Ah, t'as chaud. Mais oui, mais bon! Nuage a terminé son projet scolaire. Bah, c'est cool, merci. Bravo, Nuage! Mets dans ton inventaire. C'est bien, bichette. Bah, vas-y, tu peux te faire plaisir maintenant. Bah, Mikasa! Bah, toi aussi, hein, fais ta life. Hein. Mais. Arrêtez avec les bambins, j'en ai marre qu'ils soient obsédés avec les bambins. Arrête-toi. Tu t'occupes. Je sais pas, moi, y a pas un. Va jouer dans ta chambre! Dans la chambre de ta sœur! Casse-moi pas les pieds! Oh, il y a une toilette qui est cassée! Pulcote, tu vas devoir le réparer! Le réparer! Tu. Oh. J'aime trop! Cette violence! Quand il se rend. Oh, la gueule dans le tapis, quoi, laisse tomber! Allez, niveau 7, ce serait parfait. Je sais qu'il va être éreinté, hein. Allez, hop. Parce que là, c'est normal, et là... Pour les Sims, cherchant un entraînement plus intense. Ah oui, c'est intense. Mais Pulco, il est intense comme garçon, déjà, donc... Fils unique de Bordeaux, Rainbow, qui était le président, quand même. Il a beaucoup... Il supporte beaucoup... ouais, sur les épaules. Je sais pas comment on dit. 83%. Allez, Pulcote! Tu peux le faire! Regarde, c'est bien. Il pense à sa main, man. C'est bien. C'est bien, Pulco! Non, tu penses pas à ta mère. Alors, dans ce cas-là. Ah non, il en peut plus, je crois. Il en peut plus. Il en peut plus. Alors, déjà, tu vas te changer. Faire le cri de Foxbury. Ah, encore? On peut encore faire le cri de Foxbury. Ah oui. Ok. Tu vas te mettre en tenue de j'ai chaud. Voilà. Ouh, t'avais chaud, hein, mon petit. Hein, bah oui. Hein. Mais sérieux, il est à 88%. Je vais le faire manger. Ah, il est minuit. Ouais, il est un peu minuit. Et tu vas aller te détendre. Tu vas aller jouer dans le bain. Pourquoi les gamins sont encore réveillés à minuit? Tu vas faire quoi? Elle va encore dormir sur le canapé. Mais c'est quoi cette obsession canapé, toi? C'est ton lit! Attribue un lit! C'est ton lit, ça, tu sais?
Ça, est-ce que ta sœur, elle a le même... Qu'est-ce que... Et elle, là? Et elle? Et elle? Allez. Toi aussi, t'es un peu relou. Va te coucher, Nathalie. Allez, là! C'est pas possible, hein. Faut tout leur dire. Alors, regardez-moi ces pecs! Est-ce que c'est bientôt... Hein? Je sais plus parler, hein, vous avez remarqué là. Est-ce que c'est bientôt les abdos... les abdos... Oui! Les tablettes de chocolat, Pulcote. D'abord, il fait son beau et il se casse la gueule. Mais tout le temps! Ça, c'est Pulcote, hein. Il est maladroit, donc c'est normal. Ça fait flipper. Mais ouais, il est BG! Ah, c'est sûr que quand il avait un peu plus de gras, on voyait moins. Quoi? Oh, prends un bain de mousse, mon choupi. Prends un bain de mousse, ouais, éclate-toi. Franchement, profite. T'es tout courbaturé, regardez comme ça descend. Oh là là, oh là là! Et ben voilà, il peut retourner faire du sport. Qui c'est quoi? Mais t'étais pas au lit, toi? Mais va te coucher aussi, toi. Il est 2h du matin! Je vous jure. C'est incroyable. Alors, mince, j'ai. Tu vas réparer ça. Hop, c'est fait. Tu te lèves, toi. Ton mari, ton copain, il a des besoins. Allez, hop, crac-crac. Viens! Ce sera plus efficace, le crac-crac. Elle pourra même caresser du bout des doigts tes abdominaux. Oh, Pulco. T'es doux des abdos. J'essaye de faire de la ASMR. Ah, parce que là, il a besoin, regardez. Divertissement. Je suis pas sûre qu'il assure, hein, mais... C'est pour qu'on teste son nouveau coup de rein. Faut voir si les hanches sont encore bien... bien comme il faut. Justement... Ah, coucou Marie! Oui, t'es en retard, mais c'est vrai que je sais jamais à quelle heure... si tu bosses, tout ça, donc... Quand tu commences à le dire, elle pourra même... commencer à caresser le bout, bref. Du bout des doigts. Du bout des doigts. Pulco, t'as des beaux abdos. Bah, va te coucher, hein. Tu crois quoi? Non, t'as servi. Qu'est-ce que tu fais, toi? Oh non! Le monstre! Bah oui. Demande... Parlez au monstre. Le fameux monstre, hein. Viens de devenir ami avec le monstre. Mon dieu, ça n'arrive jamais, ce genre de truc. Enfin, ça a dû m'arriver que deux fois depuis que j'ai le truc être parent. Trop excité pour dormir. Mais tu me casses les pieds, hein, un petit peu, quand même. Non? Ah, ça y est. Elle va dormir. Elle va absolument faire ses devoirs, hein. Elle est trop bonne élève, cette gosse. Trop bonne élève. Ah, quand même, le divertissement, il a bien remonté. Pas à fond, hein. Elle a pas dû assurer tant que ça, nuage. Nuage. Non, il a pas couché avec sa fille, il a couché avec Nathalie. Oh, ça commence par la même lettre. Ça va, hein. Mais écoute, si tu pues... Oh, Soso. Après, pipi. Et puis, est-ce que t'as... Vas-y, tu vas nous refaire le petit-déj. Ouais, mais faut qu'elle serve. Brouillade du petit-déj, allez. Faut qu'elle serve, la petite Nathalie, là. Alors, perd les nuages en cours dans 1 heure. Bah, écoutez, elle va se manger un truc, là. Les pancakes. C'est tellement, il y a des assiettes partout. Je la laisse manger, puis voilà, non, elles seront bien. Oh, regardez le beau Pulco. Mais qu'est-ce qu'il est beau, le Pulco. Tu vas pas jouer. Tu vas aller pipi. Ouais, pipi. Après, je te refous au sport parce qu'il faut que tu atteignes le niveau 7, là. Oh, il pleut. Sérieux. On est en été, il pleut. Allez, va atteindre le niveau 7, s'il te plaît. Tu me feras plaisir. Il est 8h, il bosse en 2h. Allez, il reste 10%. Ah mince, elles sont déjà parties à l'école. Bon. Vous allez réviser pour l'instant assidûment. On est le matin, on est à fond. Regardez le petit niveau 7 qui va me faire. Ah, attendez.
J'ai déjà validé un truc. Ouais, les... Ou les beaux. Ou les... Ah, les boules! Ouais, tu t'en fous, et si tu dis, hein, franchement... Je dis, c'est pas un truc... C'est pas une chaîne pour les enfants. Moi, je m'en fous, j'ai ce qu'il faut. Regardez! Ah, 3% du niveau 7! Et il pense toujours à sa mère. Hein. Je sais pas, et ça doit le motiver quand il est sur ce truc, elle pense à sa mère. Oui! Niveau 7! Avec la salive qui... Vous croyez que je vais la mettre en miniature, ça? Ouais, il y a des chances, ouais. J'essaie de trouver toujours des miatures un peu... La tronche. Allez, va bosser! Il est l'heure. Va taffer. Ah, il y a l'église qui sonne. Regardez-moi ce petit cul, là. Oh là là. Il fait bien... Heureusement qu'il fait partie de ma chaîne. Non, toi, tu nettoies pas, la femme de ménage arrive. Si tu veux, tu vas danser, je m'en fous. Non, pas éteindre. Oh, merde. Allumer la musique. Allumer la musique. Rétro. Va danser. Ah, j'avais oublié la monstre! Mais regarde, maman, elle a fait à manger. Viens manger. Elle va grandir, elle? Pas encore. Pas encore, 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 tout de suite, tout de suite, tout de suite. Pulcote! Pulcote! Plaisanter avec ses collègues. Ouais, ça c'est positif. Ah, la femme de ménage est là. Ben, si on n'a pas payé les factures. J'ai oublié de payer les factures. Elle a travaillé dur pour payer les factures. Qu'est-ce que tu fais? Ah, mais il y a encore elle qui vient! Mais c'est pas vrai, mais c'est des chiants, hein, ces gens-là. Arrêtez de venir sonner chez nous, là! Ça commence à bien faire, cette histoire! Alors, elle, elle va venir. Putain, mais elle file! C'est comme une fusée! C'est bien la fille de son père! Elle file comme une fusée, cette petite. Toi, t'as rien d'autre à faire de ta vie? Bah, va courir. La meuf, elle est toujours en train de l'envoyer courir. Oui, bah écoutez. Hein. Après, la petite, elle ira au... Non, pas, non, pas d'aide. Tu sais y aller toute seule, cocotte. Pourquoi t'es triste? Oh, bah papa, il faut bien qu'il gagne sa croûte, non? Il y a un niveau 10 à atteindre, cocotte. Hein. Tu crois que ça se fait tout seul? Non. Se ramener dans l'univers. Se faire des contacts. On va travailler dur. On va travailler dur. C'est déjà bien. Niveau 5 de fitness. C'est bien. 92 sims, ça va, elle nous coûte moins cher. Elle devient de plus en plus efficace, cette petite femme de ménage. Salut! À demain! Elle s'appelle comment déjà? Avani! Avani reviendra demain. Pour de nouvelles aventures. Attendez, elle est où? Elle est là. Mais non, mais elle, quand elle fait son sport. Elle en fait pas des masses. J'étais en train de rebrancher mon internet via le téléphone car le wifi est toujours aussi pourri. Du coup, j'ai pas entendu ce que tu m'as dit. Bah, j'ai dit bonjour, j'ai pas dit grand chose d'autre. Enfin, j'ai juste dit qu'en fait, c'est vrai que je sais jamais quand tu bosses ou quelle heure tu finis, tout ça. Donc, je sais pas à quelle heure tu pourrais arriver. Et en plus, il postillonne. Il a maigri, Pico. Bah, ouais, on est obligé de lui faire atteindre le niveau 8 en fitness. Pour son job, donc il a dû se remettre au sport, donc ouais, il a grave maigri. Pire que les témoins de Jéhovah. Ah bon? Mais son papa est parti travailler, la pauvre chérie. C'est vrai qu'elle va bien la mini. Ah mais elle va à une vitesse! C'est la semaine dernière, je sais plus ce qu'elle a fait, mais punaise, elle a galopé! Allez, change-toi de tenue là, mets un truc, voilà. Mets ta tenue de papillon. Hop là! Elle est contente! Je suis contente! Je suis contente! Regardez, j'ai de la moustache! Et je suis contente! J'ai de la moustache et je suis contente! Voilà. On pourra pas dire qu'elle en a pas, celle-ci. Hein. Allez, une petite musique des Sims pour interlude. Ah oui, ceux qui frappent à la porte! C'est pire que témoin de jeu. J'avoue.
Mais il y a toujours. Mais dans mes parties, il y a toujours des gens qui viennent taper la porte. Je dis, mais pourquoi? Quel est votre intérêt? Vous voulez nous vendre quelque chose? Bon, elle grandit bientôt, elle aussi, hein, quand même. On est à zéro, hein. Petit papillon! Alors maintenant, vous allez vous faire des amis. Il reste une heure, donc c'est pas non plus. Hein. Et papa, Poulcot, il fait quoi? Il va se promener dans l'univers, voilà, c'est très positif. On va vite aujourd'hui. J'ai envie d'avancer. L'école est finie pour aujourd'hui. Ok. Ah oh là là, j'étais tendue quand même, hein, l'école. Moi, je suis vraiment pas contente, hein. Allez, vous allez jouer toutes les deux. Sachant que, en plus, elle s'arrête pas de se tirer dans les pattes. C'est... connasse. Je suis un peu vénère parce qu'en fait, j'entends que ça tape dans mon plafond, donc ça m'énerve. Ça faisait longtemps, hein. Bah ouais, ça faisait longtemps. J'ai été tranquille ces derniers jours, on va dire. Donc forcément, faut bien qu'il se rattrape à taper, hein. Poulcot. Priorité Poulcot. Travailler dur. De toute façon, tant qu'il a pas son niveau 8, se faire des contacts. Ah, parce que après, au moins, faut que ça monte bien ici. Après, dès qu'il aura le niveau 8, ça... Ouit, direct. Bon, voilà, bah ouais, bah, à force de travailler dur, hein. Tu vas te détendre alors, mon chou. Voilà, détends-toi. Voilà, il va bien. Et ben, bah, tu vas te promener dans l'univers. Non? Est-ce que tu veux parler à tes collègues? Non plus, ça fait rien. Retravailler dur. Bon, bah, on va laisser son travailler dur, hein. Ah, ta 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 ta. Elle est repartie se coucher. Écoutez. Ah, il y a quelque chose qui est cassé. Ah bah non, c'est elle qui fait qu'il s'est pris un bain. J'avais pas fait attention. Ok, elle mange. Va faire les devoirs aussi. Tout va bien. Ils viennent chez moi aussi. Mais je pense que c'est depuis une mise à jour, là. Ils arrêtent pas de venir, c'est... C'est chiant. Je veux dire, là, des débuts, que je vais rentrer chez... Tôt, Pas de soucis, Marie. Elle est vraiment pas belle, cette coiffure, pour les bambins, je trouve. Mais tu rigoles? Elle est choupette. Qu'est-ce qu'elle veut, la parano, là? Elle a bien perdu du poids. Mais en même temps, j'arrête pas de l'envoyer courir. Tu vas aller pisser, tiens. Pisser, douche, allez. La musique qui va toujours aussi fort dans la salle à manger. Bon, ça donne une ambiance. Voilà, là, 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 là. Oui! Oh, comment ça a bien monté! Pulco est revenu! Pulco! Atteint de vivre vite de la compétence fitness! 2016 €. Bon, même si on est en 2020, ça passe. Tu vas jouer à Frénésie des fêtes. Allez, on s'en fout. Alors, oui, on a fini. Par contre, l'aspiration de Pulco est faite. On 7000 points. On a fini l'aspiration. C'est au moins la petite victoire d'aujourd'hui. On a fini l'aspiration et ça c'est cool. Alors les gosses, elles mangent. Que je les confonde pas parce qu'elles ont toutes la même tête. Hop, devoir. Elle mange, la laisse manger et après elle pourra faire ses devoirs. Et elle Peut-être le lendemain qu'elle va grandir, je sais pas. Servir le dîner. Fish and chips. Oh oui, fish and chips. Va faire le fish and chips. C'est bon, t'es requinqué. Allez, Poulcot. Pipi. Pipi douche. Pipi douche. Pendant ce temps-là, tu pourras manger les fish and chips que ta femme va te faire. Toi, tu te tais, on s'en fout, je m'en fous, tais-toi. C'est harcèlement. Ça commence à bien faire, hein, c'est assez... Re-Céline. Peut-être une promotion. Non, bah non, parce que, de toute façon, il faut qu'il ait ça pour avoir la promotion. Enfin, du moins, c'est quand même rare d'avoir une promotion sans... Donc là, je lui fais un peu... Voilà.
Perle, tu vas me faire tes devoirs toi aussi. Je sais pas où elle est, mais réussir les devoirs haut la main, bah tant mieux. Oh la musique! Ta-na-na-na-na-na. Tu vas me nettoyer ça. Mais tu nettoies que ce verre! Putain, eh bah tu nettoies rien alors. C'était dans... Je sais plus si c'était dans les... Le 1 ou le 2. Ou le 3 même. J'adore. Je mets à fond comme ça. Vous pouvez que entendre. Non. Ah si, il est très fatigué. Pulcote, s'il te plaise. On va avancer sur ton bricolage du coup. Parce que... Oh, une baignoire. Vas-y, fais des baignoires. T'as raison. Ah, mais arrêtez avec votre terre. Vous êtes bêtes ou quoi, là, les gosses, là. On va te laver. Tout, 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 tout. Eh oui, c'est à ça qu'on ressemble ma vie. C'est triste, hein. Alors, niveau 9. En fait, j'ai envie d'accélérer, mais la physique, elle est en accéléré aussi. Vas-y, regarde la télé. Voilà. Alors, ma pulcote. Ça, je l'aurais bien fait faire du sport. Mais regardez, il y a encore quelqu'un. Nathalie Okada. Okadi. Oh, la gueule. Oh, par contre, toi, tu fais peur. Oh non. Non, non, même pas, je te regarde plus vite. Plus encore. Oui, parce que j'aurais bien fait faire du sport, mais bon, comme il est clacaille, le petit. Yeah. C'est Sims 2, je crois, l'air que tu fredonnes. C'est possible. T'as pas encore faim, Dex? Tu t'exagères un peu, là, non? Mon pulcote, après, t'iras au lit. 23h. Alors, c'est presque ça, dormir, pas la sieste. Et elle a quand même trouvé le chemin de son lit, donc on est content. Allez. Ouais, le bricolage... Elle va te pieuter, mon petit. Tout va bien. Allez, j'éteins, parce que quand même, sinon après, je n'avance jamais. Je pense qu'on va faire une journée encore et puis on s'arrêtera là. Parce que comme ça, on fera l'anniversaire de la dernière. Qui clignote? Donc, voilà. C'est très bien. C'est très bien. On est quoi? On va être mercredi. Donc lui, il travaille. Après, ce sera le week-end. Peut-être que le prochain week-end, donc ce sera, je pense, jeudi prochain, le prochain live. On ira peut-être, vu que c'est l'été, on ira se balader à Soulani. Hein? Faire un petit peu de bronzette, tout ça. Elle grandit dans 3 jours. Oh putain. Connasse. Ah, moi je le dis, hein, c'est une connasse. Oui, Perle, rendors-toi, c'est bon. Ouais, tu devais pisser, c'est pas grave. 4h du matin! Elle est plus fatiguée. Bon, bah va pisser alors. Tu retourneras au lit après. Et toi? Tu me saoules. Oh!
Je vous jure, hein. Elle va grandir, j'aurai la paix, hein. Punaise! Plus de bambins, pour l'instant. Dans un sens, il semble que tu peux faire en sorte que la musique ne soit pas accélérée quand tu mets en x3. Ah. Bon, c'est pas grave. Elle est sur X maintenant, elle. Mais arrête de penser à ta mère, là, hein? Hop, pipi. Douche. C'est Sims. Et Pulco, tu dors? Dis Pulco, tu dors? Elle rigole, elle. Elle se lève et fait. Oh, elle était bonne celle-là. Bah voilà, elle est bouffée, c'est bien, elles sont bien éduquées ces gosses. 6h du matin. Hein. Même moi, je me lève pas à cette heure-là. Bah tu peux aller manger aussi. Allez hop, tout le monde à la bouffe. Oh là là, j'ai fait trop de sport. Non mais tu t'appelles pas Pulco. Bon bah Pulco, tu vas te lever. Comme ça, on aura le temps de faire plein de choses avec toi. Avant que t'ailles au boulot. Tu vas me prendre une touche tonifiante. Puis après, tu iras manger également. Oh, le pipi. Regardez ce petit cul qu'il a. C'est incroyable. Zizi, c'est incroyable. Oh, elle... Elle est encore à poil. Non, pas être pour le pot. Va pisser. Nathalie, tu iras faire un gâteau après. Un gâteau au choco. Mais vous pouvez garder vos jouets aussi, hein. Allez hop. C'est bon. Wayanuchi! Voilà. Est-ce qu'on va quand même réussir à s'entendre un jour ou pas? Voilà. Au lieu de se faire des insultes ou je sais pas quoi là. Tu nettoies pas! Je te vois avec ta main là! Mais punaise, j'ai dit non! Et elle est à poil toujours. Ouais, j'ai abandonné hein, cette gosse, cette exhibe. Va ouais, Lulu! Tu fais quoi mon cœur? Sur ton piédestal là-bas. Ah, c'est l'été. Ça devrait être les vacances. Je sais pas si vous voulez qu'on instaure des vacances ou pas. Non, bah, pour Pulco, non, j'ai envie de dire. Tant qu'il a pas avancé, on fera pas. Il est où d'ailleurs lui? Il mange? Tu peux aussi regarder la télé en attendant en vu que t'es là. Oh, regardez-moi tous ces trucs. Dès que t'as fini, c'est sport. Hein. Course d'endurance. Et entraînement énergisé. Hop. Sport. Tu travailles dans 1 heure. Go. Go, go, gadget au sport. Voilà, il est content. Écoutez, on est à peine au niveau 7. Il n'aura pas le temps de faire grand-chose. Hein. Avouer l'erreur. L'ignorer. C'est des trucs qu'on a tout le temps, donc je ne les lis plus, hein, ces trucs-là. Les tombes de Pepper et Bordeaux, elles sont dans l'inventaire de Pulco. Je veux pas les mettre sur le terrain parce que, franchement, avec le Decades, je veux bien, mais j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol des fantômes. Voilà. Les fantômes qui viennent te péter tout le temps. Enfin, là, il a ses parents, mais ils doivent être dans l'inventaire de la famille. Mais j'en ai marre que les fantômes viennent tout péter. C'est vraiment relou, donc je les mettrai plus, les tombes. Voilà. Oui, elle rejoue Coquelicot et Bordeaux, c'est ça. Elles s'insultent et tout. Elles sont graves, hein, les gosses. Alors que je fais rien, tu vois, et je les vois, elles sont toutes rouges et tout. Mais qu'est-ce qu'elles se sont fait? Ah ben, elles se sont attaquées. Allez, bosse bien, Pulcote. On n'a pas beaucoup avancé, hein, au niveau fitness. 14%. Alors, t'as fait le gâtal? C'est bien, tu vas mettre des bougies. Et elle est encore à poil, cette gosse. Mais habille-toi! Exhibe. Je sais pas, mais quelque chose. Hop là, c'est bien. Alors, bon, il n'y a personne à la maison. On va peut-être pas faire l'anniversaire tout de suite. Mais le gâtal est prêt. Madame, elle fait la machin. Tu vas pouvoir lui apprendre des trucs si tu veux, effectivement. Soins donnés aux bambins, non. Alors, du coup, c'est éducation. Apprendre à dire pardon, vas-y.
Monsieur, elle est mignonne cette coupe de cheveux. Elle est trop choupie, moi j'aime bien. Pas nouveau. Alors, Pulcot, tu vas plaisanter avec les collègues. Je suis pas avec le bon. Ah, regardez, regardez, ça monte. Hein. Font qu'on soit, on soit doré et puis il manque plus que la compétence en fitness et on sera bien. Oui. Va falloir faire du sport. Va y avoir du sport. Bon, on s'en fout, on y va. C'est bien. Bah tu vas lui apprendre autre chose à ta gosse, alors. Hein, tant qu'à faire. Drôle. Faire des grimaces. Voilà. C'est un super apprendre à parler. Faut bien qu'on attende qu'il y ait un minimum de familles qui soient rentrées, quoi. 92 simflouz. Ça va. Pas plus qu'hier. Qu'est-ce qu'elle a fait du gâteau, cette conne? Elle m'a rangé le gâteau. Mais il faut pas ranger le gâteau. On en a besoin, nous, hein. Comment on fête un anniversaire si on n'a pas le gâteau? Je ferais faire ça comme dans les Sims. Comme les Sims. Tu as raison, le fantôme, c'est relou. Tous les soirs, il te casse quelque chose. Mais oui, c'est chiant. C'est peut-être une malédiction de famille. On n'a pas le problème avec Pulco, car elle était enfant unique, mais qui sait? Ah, la mauvaise entente? Ouais, peut-être. On verra bien avec les gamins de celle qui sera élue en tant qu'héritière. Élue comment? Je ne sais pas. Est-ce qu'on fera les votes? Est-ce qu'on fera une baston? Elle est énervée. Ah, parce que... Examen repassé. Oh, bichette. Allez, révise. Toi aussi. Oh, la tête! Mais regardez-moi la tête de cette gosse! Je suis pas contente! J'ai des gros sourcils et j'ai des yeux marrons! Et j'ai de la moustache! Qu'est-ce qu'elle veut, cette gamine? Elle en a marre! Bah, écoute, quand t'en as marre, y a mal à barre! Tu vas aller sur le pot. Et après, on te mettra le bain. Enfin, on te fera faire un bain. Elle va se détendre sur le PC. Elle va regarder les trucs d'éducation. Modifier les mots de passe. Mais pourquoi? Mais pourquoi tu es aussi méchante? Parce que... Tu peux... Ah oui, tu peux pas y aller parce que... Oh mon Dieu, ma fille est déjà sur le pot. Alors si elle me voit faire pipi dans la cuvette à côté, elle va pas comprendre. Moi, quand mes fils ils sont dans leur pot, moi je fais pipi, hein, s'en foutent. Hein. C'est bien de faire pipi en même temps. Je parle de mes chats, évidemment, vous aurez compris. Voilà. Pulcote, 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 Pulcote! Ça va te promener dans l'univers. Il rentre à 18h. Les filles vont rentrer. Oui! Perle 1A et nuage 1B. Braval, les filles! Braval! Vous êtes super, vous êtes top top, vous êtes incrédible. Voilà, et toi tu vas être douché aussi, tu vas te prendre une douche froide pour te calmer. Voilà, c'est comme ça la vie. C'est bien les gamines, je suis fière de vous. Dormir, non. Descendre, oui. Punaise, elle va devenir enfant, tout. Oh là là, ça fait bizarre. Pulcote. Pulcote, il va bien. Pulcote, il va travailler dur encore, encore et encore. L'esprit de Messi est en train de disparaître. Oh, quelle tristesse. Niveau 4. Tu vas rester là. Non, tu vas pas emmerder ta mère. Sinon, tu fais tes devoirs. Comme ça, c'est fait. Allez, hop. Elle aussi. Hop. Ouais, revénère, puis finalement non, puis finalement si, puis finalement non. Excellente, 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 mon petit Pulco, on est fiers de toi aussi. J'espère que tu l'aides pour ses devoirs. Non, tu l'aides pour ses devoirs. Voilà. Allez, Pulco, rentre à la maison.
Devoir terminer. C'est bien. Tu vas te refaire des contacts. Super. Tu vas pouvoir... Allez. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Et après, toi, tu iras manger aussi. Et dès que Pulco rentre, on fait l'anniversaire. Va pas tarder. Dans 20 minutes, il est là, hein, t'inquiète. Hein. Il n'y a pas d'embouteillage chez les Sims. Hein. Quand ils finissent, la minute d'après, ils sont chez eux. Ce sont nos sourcils qui sont moches. Dès que je vais aux toilettes, ma chienne se pose devant. Salut, Misuki! Attention! Pulcote est là! Wouhou! Alors, Pulcote, tu viens de doucher. Même si t'es pas sale, je m'en fous. Ah, ouais, t'as un petit besoin de pipi, surtout. Et comme ça, il enlève son truc, je sais. Je pourrais faire changer de tenue. Mais bon, pourquoi pas se doucher aussi, c'est pas mal. Toi, t'es vénère. Mais plus pour longtemps. Toi, bah, tu peux venir. Toi, tu viens. Je t'ai déjà demandé en fait, mais c'est pas grave. Et toi, tu viens aussi. Allez. Voilà, comme ça, on va fêter l'anniversaire. On n'invite personne, on s'en fout. Ah! Bah oui, elle a mangé les proutes, donc ça y est, elle pète. On va voir laquelle des trois est la plus jolie. Parce qu'elles se ressemblent pas vraiment. Enfin, elles ont des similitudes. Mais bah déjà la couleur de peau n'est pas la même. Elle est un peu plus rose, un peu plus jaune. Donc je sais pas. Ah bah si, rose, ça doit être Pulco. Et jaune Nathalie, non, tu vois, je sais pas trop. Ma Pulcote, tu peux venir, hein? Vas-y, viens, viens. Ah, elle est contente parce qu'elle voit son papou! Allez hop, vous asseyez, j'ai dit, les gosses. Voilà. On attend que la morpha, la monstresse descende. Punaise. Et... J'ai dit vous asseoir, c'est compliqué ou pas? Ok, c'est bon. Hop! Non, on s'en fout. Aide à souffler les boujax. Mini! Ah, oh, le bon gros P bien dégueulasse! En même temps, elle est crasseuse, donc elle, c'est normal. Tu veux. Tu me saoules. Ah putain, mais il n'y a plus à de bambin là, je vais être tranquille. Hein. Franchement, vous me saoulez, elle me saoule. Je vous dis de vous asseoir, vous asseyez, point, barre. Point d'exclamation. Et elle aussi, elle s'en va là, mais j'en ai marre. Et c'est le bazar. Ah, quelle est moche! Mais quelle est moche! Alors que Pulco, il était si beau. Il est toujours si beau. Sa mère, ses parents étaient si beaux. Happy birthday, Minnie! Happy birthday! Bon, hé! Tu te calmes! Voilà. Voilà. Mais quoi, elle va grandir ou quoi, sa mère, là? Arrête de piquer ta crise! Punaise! Eh ben, c'était quelque chose. Elle avait... alors, faculté motrice, je vais lui mettre, parce que comme elle s'est mise à courir partout comme une ouf. Et... alors, le trait que je n'ai pas mis pour les autres... gris... Aime la musique. Du coup, elle aura le trait le plus cool en premier trait. Merde, je suis con. C'est tac tac tac. Aime la musique. Et voilà, elle s'est enfin calmée. Allez, voilà, tu peux prendre un morceau maintenant. Oh la tête. Bordeaux, il a envoyé un petit truc, c'est mignon. Tu peux prendre aussi un morceau, mon petit, voilà. Alors. Mince. Arrête! Oh putain. L'éducation, ça rigole plus. Disciplinaire, hein. Sévère. Hop. Vas-y, Pulco, j'allais dire. Bordeaux. Punaise, Pulco. Mais si, c'est Pulco. Allez, tu rigoles dessus, là. Elle a dit des gros mots. Espèce de monstre.
Espèce de monstre. Ouh là là, la vénère. Regardez-moi ce regard de killeuse. Je vais tuer toute ta famille. Ce tché de l'espace, quoi. Ah, puis elle... Ah, vas-y que ça pète. C'est la... Ah non, pourtant, c'est pas la celle qui... C'est pas elle qui est crasse, qui est cradingue, cradingue. Bon, allez, go. On va changer son lit. On va changer son lit. Hop, hop. Et bien sûr, moi, je me casse pas la tête. Je mets exactement la même chose. On va enlever ça. Et puis, on va lui foutre un nounours aussi. Hein. Voilà. Comme ça. Et puis... Et puis, on va lui mettre... Ouais, y a pas de grim, on s'en fout. Ça. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça, si t'es fatigué, tu pourras dormir. Déjà, on va attribuer ton lit. Ah, mini. Voilà, voilà, voilà. Si j'appuie pas sur les bonnes touches, on va pas y arriver. Hein. Mais arrête avec ta mère. Voilà, ça, elle va se coucher, elle sera tranquille. Elle, elle fait ses devoirs. Elle est sur le net. Pulco, 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 pulco. Punaise, arrêtez le harcèlement, ça suffit. T'as mis ça dans la vaisselle. Il est quelle heure? Il est 20h. Paris s'éveille, tu vas soulever des charges lourdes. Non, les Kiki. On est pas contente de grandir. Saleté. Saleté. Et hop, t'iras t'entraîner après. Objectif niveau 8. Hein, Après, bien sûr, on va finir la journée et puis on restera là. On n'arrivera pas au niveau 8 maintenant, ça c'est clair. Heureusement que tu as mis Sancho parce que cette génération a un sacré caractère. J'ai pas mis Sancho. Sancho, c'était Bordeaux qui le faisait. Non mais, hé hey, oh. Tu comprends pas que tu vas t'en sortir comme ça, hein. Oh la violence! Qui se l'est pris? Laisse tomber. Non, les gars, les gosses, elles vont pas commencer. Non! Va te coucher. Hop! Toi, c'est dormir, pas la sieste. Tu me casses aussi les pompes, hein? Toi, tu vas te relever. Je vais te débugger un coup parce que tu me saoules. Paf! Voilà. Et tu vas aller manger. Pisser et dormir. Oh, on la relouquera la prochaine fois aussi, celle-ci. Bam! Oh, il s'est encore pris le tapis en pleine tête. En vrai, dans la vraie vie... Oh, punaise. Dans la vraie vie, il serait mort, hein, parce que se le prendre autant de fois dans la tronche... Allez, Pulco! Allez, Pulco! Plus fort que tout, c'est le Pulco! 30%. Mais quel caractère de cochon, c'est ça. Et un violon aussi, comme ça, si elle aime la musique. Ah oui, peut-être, pardon, je voulais dire, heureusement qu'ils n'ont pas fait Sancho. Ah ben non, c'était... Sinon, ce serait pire. On aurait fait comme Bordeaux et Coquelic, quoi. Ils se seraient venus à se battre pour pouvoir savoir qui gagne. Après, pourquoi pas hein, refaire la théorie du... Enfin, la baston des héritières, quoi. Ou autrement, l'Hunger Games des héritières. Allez, tu peux aller jusqu'à 50. Ah, jusqu'à 50 et je te laisse tranquille. Non, jusqu'à 50. Vas-y, défi de la colline. Non, 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 non. Voilà. Jusqu'à 50. Tu pourras tirer ton coup après. Allez. Non, oh non, oh il veut plus. Punaise, à 3% quoi. Oh là 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 là, tu me gaves. Tu me gaves, vas-y, tu vas prendre un bout de chocolat. Parce qu'après avoir fait du sport, c'est parfait. De toute façon, il l'a tellement éliminé que voilà. Tu manges ton petit bout de chocolat. Nathalie. Non. Tu m'éteins ça. Nathalie, elle va se lever et elle va garder les cuisses.
pour te satisfaire. J'ai dit non pour la musique. T'es bon? Non, c'est bon. Tu touches à rien. Tu vas au lit. Hop, crac crac Nathalie. Elle est où elle? Qu'est-ce qu'elle fout? Ah, oh, je suis allée dehors. Oh. Allez, c'est bon, c'est parti. On va faire un beau petit crac crac. Ça lui remonte à fond, divertissement. Enfin, lui, là, voilà. Oh, bah, il est à fond. Il est à fond. Ah, quand même, ah, quand même. C'était bien. C'était agréable. Tu te couches. Mais elle a déjà dormi, elle. Bah, tu vas te coucher quand même. Moi, je finis l'épisode ici, quand même. Hop, allez. L'esprit de Coquelicot est en train de disparaître. C'est bien triste, mais je m'en fiche. Donc, je vais mettre sur pause. Et je vais enregistrer. Et moi, je vous remercie d'avoir regardé cette rediffusion. Et j'espère qu'elle vous aura plu. On a plutôt bien avancé. On a fini l'aspiration. On a gagné quelques niveaux au niveau de ses compétences. Et on va mettre aussi les bouchées d'eau pour le prochain live. Je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour la suite du Notsoberry. Ciao.